pas moi qui vais commencer. Pour le coup. Jouer sans compagnie de mon assistante. Voilà. La musique du jeu est trop forte. Vous m'écoutez? Eh oui, t'entends. Est-ce que là c'est mieux pour la musique? Y'en a plus. Là où c'est encore pas bon la musique. C'est un petit peu là. Comme ça, ça va. Je dois recommencer ma mission. On se dira comme ça. Je ne veux pas recommencer la mission. Je ne veux pas recommencer. Je vais continuer. Commencer, c'est mieux. Je t'explique tout. Ah si. Hop. Recharger, nouvelle partie. Hop. Allez. Dis bonsoir. Il était une fois. La formule de bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce qui se passe sur le jeu là? Un royaume de rêve de. Qu'est-ce qu'il raconte? Et c'était ici même que la marraine, la bonne fée, venait de nommer une nouvelle apprentie. Elle raconte quoi là? Modifie l'apparence. Il doit faire quoi là? En choisissant toutes sortes de choses comme. Ils doivent raconter des choses. Pour voir les options disponibles. Il doit faire quoi là? Du curseur pour surligner chaque image et clique sur la souris pour sélectionner. Je raconte ce que tu sais. Et là, en fait, on peut changer de perruque n'importe quelle. Choisis laquelle alors? C'est là le problème. Ah, là tu choisis. Je choisis ses yeux, mais normalement il doit être bleu. Ah, c'est toi qui choisis. Et là, c'est. La couleur de peau. La couleur de peau, on peut changer n'importe quelle. Et même les chaussures. Bon, bref. C'est pas ça. Autre moyen. Ah, c'est un nœud. Et on peut mettre aussi des nœuds. Aussi parce que c'est. Magnifique jardin en très joli. C'était le lieu idéal pour pratiquer sa magie. Car il regorgeait de fleurs, de plantes ou de petits êtres scintillants. Connu sous le nom. Les elfes soin du jardin. Là, en fait, il y a des lutins et on doit. Et les petits, ils doivent. Ils sont transformés en lutins. Il faut que je répare ça. Et tout. C'était quoi la formule magique? Ah, oui. Igili. Non. Figili. Figili. Oh. Et là, elle transforme tout ça en lutin. Et ensuite, tout. Et en fait, là, ils vont dans le château magique. Il faut débloquer le passage. Je devrais peut-être essayer la magie. Sers-toi des touches flèches pour te déplacer. Bien joué. Tu vas faire quoi alors? Et là, on doit faire une mission pour faire.
Juste parce que le passage est bloqué. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'a rien dit, il a dit qu'il a appuyé sur N pour utiliser la spirale magique. Ouais. C'est grave, le jeu il t'apprend à jouer. Tu l'as déjà fait, tu l'as déjà fini 3 fois. Appuie sur le bouton M pour faire de la magie avec ta baguette magique. Tu dois appuyer sur M. M ? M. Bien joué. Et là, en fait, pour retransformer les lutins en elfes. On doit débloquer le passage parce que c'est très important de faire une mission très importante. Et les autres sont pas autrement. Ils sont pas logiques. Ah. J'en ai raté un. J'en ai vraiment raté un. Tu as réussi. Et en fait. Oh, je devrais aller voir le jardin. Tôt. Je parie que ces lutins y ont semé une vraie pagaille. On les foire. Où sont passées toutes mes superbes fleurs et les plantes? Il n'en reste pas, plus t'as qu'une. Réussi. Oh, pauvre petite plante. Ouais. Il te faut de l'eau, non? Je vais aller t'en chercher dans le puits. Approche-toi des plantes tristes et munis-toi du bon ustensile de jardinage pour t'occuper, tu dois t'occuper des plantes. Des plantes supplémentaires. Oui, parce que... Les puits à souhait. Ça, c'est important de faire une mission. Appuie sur la barre d'espace pour prendre et utiliser l'arrosoir. Je suis presque sûr de la même chose, Luton. J'en suis presque persuadé aussi. Vous pouvez former jeunes et streamers. Papa. Voilà, ça va mieux. Arrête. J'ai horreur de voir des plantes tristes. Bon, il faut que j'aille voir où ont bien pu passer tous ces lutins. Je commence à me dire qu'il pourrait causer de très gros problèmes. N'oublie pas de rapporter les ustensiles de jardinage ou oui. Oui. Tu dois remettre l'ustensile. Autrement, je sais pas trop. Si tu n'es pas sûr de ce que tu dois faire, déplace le curseur sur l'icône point d'interrogation. Point d'interrogation. Non mais c'est bon là, je pense. Où est le point d'interrogation? Où il est? Il est sur le clavier. Si tu n'es pas sûr de ce que tu dois faire, déplace le curseur sur l'icône point d'interrogation et clique sur la souris. Plus de respect, Yama, de nos jours. Formidable. Pour ouvrir le journal, déplace le curseur sur l'icône journal et clique sur la souris. Consultez ta voix, consultez ta progress bar des objets. Formidable. Pour accéder au magasin, va au puits à souhait dans le jardin magique et appuie sur la... T'as eu au magasin, ça faut que tu retournes au... Au fouillard souhait. Pourquoi? Parce que le gars, c'est en train de t'expliquer ce que tu connais déjà, mais que les autres ne connaissent pas. Pour accéder au magasin, de libérer délivrer. Dans le jardin magique. Tu connais libérer délivrer? Oui. La reine des neiges. Tu connais? Tu chantes? Un objet. Clique sur la souris pour le sélectionner. Tu chantes ou pas? Léo. Bah. Tu te pas, tu m'énerves. Papa, tu m'énerves, pourquoi? Et oh madame, et madame, donc je là, je sais aller toute seule. Ça vous aide. Une autre barrière de lutin? Ça va aller. Je sais ce que je dois faire. Plus de respect. Plus de respect. Papa! Quoi? Tu m'énerves. Tu m'énerves.
pêche. Tu as transformé les lutins alors. Cherche. Cherche. Bon, c'est pas quoi, c'est malin. On va voir de quoi je me mêle. C'est quoi? Tu es en train de faire quoi? Je me demande s'il y en a d'autres qui se cachent dans ma chambre. Tu aimerais peut-être décorer ta chambre. Ça, c'est une mission de... Oh, je savais que ces lutins étaient là. Il n'y a plus un objet à sa place. Il faut que je range tout ça. Ils sont un peu neuneux, ils savent pas. Décore ta chambre en déplaçant les meubles. On doit faire une mission parce que c'est important. Et choisis des objets de chambre dans le papa. Et en fait, il faut choisis la section papier peint. Choisis un motif de papier peint et place-le. Il faut faire ça parce que la mission est très importante, très hein. Il y a un monsieur qui se demande si tu tousses toujours ou pas. Tousses toujours ou pas? Non. Tu vas décorer dans la chambre. Choisis des objets de chambre dans le menu et place-les dans la chambre. Oui, c'est très bien, madame. T'as rien pour décorer là. Voilà, j'ai que ça. Tu commences? Au moins tu vas me te calmer. Pardon. Là, c'est tout de même beaucoup mieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as fait là? Maintenant, je dois découvrir où sont passés ces lutins. Et là, j'ai décoré la chambre. Alors en fait, Adrien, non, c'est pas Cendrillon. En fait, quand tu commences le jeu, tu es... J'explique au monsieur, ça ne m'encadre pas comme ça. Désormais, tu es l'apprenti de la bonne fée qui régit le monde. T'as fait une grosse bêtise. Mais je suppose que tant qu'il ne s'empare pas des cristaux. Oh non! Il faut que je répare tout ça! Qu'est-ce que mon professeur me dit? Parce que les autres, il y en a qui me dit quoi? Eh bien, je ne la décevrai pas. Je dois réparer ma faute. Il le faut. Et en fait. Là, on doit retrouver les cristaux. Les cristaux pour terminer le jeu. Après c'est quoi? Et après on doit. T'as quoi avec les cristaux? Tu peux faire quoi? On peut recommander un autre qui, si papa, tu peux t'enlever s'il te plaît. Merci. Et tu peux faire quoi avec une histoire en fait? Il y en a un qui me dit quoi là? Il y en a un qui dit que c'est mignon. C'est corrigé en disant des cristaux, des cristaux. Et là, on doit vraiment faire une mission parce que. Je me demande qui habite ici. Oh, bonjour. D'accord. Oh, tu es Cendrillon? Oui, c'est moi. Nous sommes-nous déjà rencontrés? À vrai dire, je ne fais que passer.
Oh, je suis ravie de faire ta connaissance. Es-tu là pour voir ma marâtre, ah, Madame de Trémène? Oui. Ou peut-être une de mes demi-sœurs, Javotte ou Anastasie? Non, en fait, je suis à la recherche de... aurais-tu des lutins. Choses oui, étranges dans les parages? Les lutins, ils ont volé le les cristaux. Vraiment des plus étranges. Tout à coup, il y a des toiles partout. J'ai beau tout nettoyer du sol au plafond, elles finissent toujours par revenir. Et ma marâtre dit que le manoir doit être impeccable, sinon je ne pourrai pas aller au bal royal. Utilise ta magie pour retransformer les lutins en elfes. Tu as ta baguette magique? Oui. Sinon je peux pas avoir la souveraineté. Sinon ils peuvent pas me foutre la paix. Pas te foutre la paix, les lutins? Ouais. Tu chantes? Ouais. Ils sont au moins stupides. Faites attention parce qu'il y a des toiles dans mon jeu. Il faudra pas trop se taper ça, ces lutins. Parce qu'il y en a qui sont un peu énervants. Et vous faites attention là, il y en a qui sont difficiles à refaire leur miniature transformée en lutin vilain. Faites attention hein. Et ces salles de bébêtes, elles vont savoir ce que je vais avoir faire, mais ces salles de bébêtes, elles vont pas me laisser tranquille. On appelle ça des lutins. Il faut leur donner un coup de magie parce que ils sont pas gentils, ils détruisent tous les parages, et ensuite ils mettent des toiles d'araignée trop gluantes qu'on doit enlever. Il y en a qui me dit quoi? Ils disent que tu t'en sors très très bien et que papa il sait pas jouer, que c'est un mauvais. Oui, parce que toi, t'es un mauvais. Bon. T'es un mauvais joueur. Un mauvais joueur. Toi, tu sais pas comment faire ce jeu, hein? Ah non, non, c'est ton jeu. Sauf que mon papa il sait pas trop jouer parce que les autres. Oh, regarde! Papa, il sait pas trop faire. Toutes les toiles ont disparu. Merci infiniment de m'avoir aidé. De rien, je t'en prie. Avant que tu t'en ailles, je me demandais si tu pouvais m'aider avec les bougies. Quoi? On dirait qu'elles sont toutes éteintes. Bah, bien sûr, c'est un jeu d'enfant. Papa, c'est un mauvais joueur. Et utilise la spirale magique pour les ennemis. Il est temps qu'il dise au revoir pour ça, monsieur. Là, il est temps qu'il aille au dos. Oh, mais pourquoi? Parce qu'il est 21h20 quand même. J'ai allumé une bougie. J'ai allumé une bougie. Et au revoir!
approche-toi de chaque objet et sers-toi de la spirale magique pour modifier son apparence. Connected. Approche-toi de chaque objet et sers-toi de la spirale magique. Channel switched. Pour modifier son apparence. Et ben voilà. ma foi. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Oui, toi. Et bien donc voilà, on va essayer. Alors, est-ce que tout le monde est toujours là? Je pense bien. S'il y en a qui veulent venir sur TS, ma foi, j'y vois pas d'inconvénient. S'il y en a qui veulent venir se foutre de moi, y'a pas de soucis. Non, je vais pas changer du tout. Et puis rien d'intéressant, je me casse. Bah voyons. Ah, on n'entend pas trop les effets. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire là pour reprendre? Ah oui, il fallait allumer toutes les bougies. Pas d'abord. Approche-toi de chaque objet et sers-toi de la. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de ventilo. J'ai désactivé un petit peu l'amplification du micro. Tout est plus beau maintenant que les bougies illuminent la pièce. C'est joli, n'est-ce pas? Sans vouloir te déranger, pourrais-je te demander un dernier petit service? Vois-tu, je cherche mon ami Gus, la souris. Il est allé dans les bois il y a un moment. Et il n'est toujours pas revenu. Le pauvre Gus a le don de s'attirer des ennuis. Pourrais-tu m'aider à le retrouver? Ouais, c'est ça, oui, je vais aller me coucher et je remets la streameuse. Bah voyons.
Je vais le trouver. Gus aurait besoin de ton aide. Tu le trouveras. Non, non. Grosso modo, le jeu, c'est pas très très compliqué. Ça vous a bien vu. Reprendre le. On m'entend plus trop. Bang. Je suppose que là, ça doit être mieux. Donc, grosso modo, ben, le principe du jeu est pas très très compliqué. Juste en même temps, c'est pour les enfants. Donc, il faut retrouver. En fait, je vais y arriver. Donc, on est l'apprenti de la bonne fée qui régit mon Disney, blablabla, machin, truc mûche. On a fait une grosse bêtise. Il faut la réparer. Donc, on a transformé tous les petits elfes. Les petits elfes gentils en lutins méchants. Et ils ont piqué tous les cristaux. Alors, il faut retrouver les cristaux. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je comprends pourquoi tu courais comme ça. Donc il y a toute une. Je vais t'aider à la récupérer. Une histoire, c'est mignon, tout ça. Il faut explorer. Tabasser les lutins à coup de baguette magique. Transformer les lutins à coup de baguette magique. Et oui, ça rame un peu, je sais pas du tout pourquoi. Il y a OBS qui fait dans la colle. Donc, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Non, hop, voilà. Et on a retrouvé l'invitation de Cendrillon pour aller au bal. Je me demande si je. Non, je vais pas relancer. Ce serait trop. Maintenant c'est nul. Bla bla bla. Oui, bah là, les premières 20 minutes étaient effectivement mieux pour certains. La gamine a expliqué ce qu'elle faisait, mais moi je peux très bien expliquer aussi. Là, j'ai retrouvé l'invitation de Cendrillon. Non, mais il est 21h30, je vais pas aller la rechercher, déconner. Hein? Donc là, j'ai retrouvé l'invitation de Cendrillon. Il faut que je fasse je sais plus quoi. Je sais même plus ce que je dois faire. Bonjour toi. Rien, ah, une souris, de toute manière. Il faut faire vite. Nous devons finir la robe de Cendrillon. Ouais, il faut finir la robe de Cendrillon. La robe de Cendrillon pour le bal royal. Souk souk, nous voulons faire une surprise à Cendrillon avec cette robe. Mais le fil et l'aiguille ont disparu. C'est que je ne vois ni fil ni aiguille dans les parages. Dans les murs. Quelqu'un les a emportés. Les trucs sont dans les murs. Mais comment veux-tu que j'entre là-dedans? Je crois que j'ai une idée. Oui, mais il y aura, Adrien, t'inquiète pas. Ça y sera. Attention, Lucifer! Oh, il vaut mieux ne pas réveiller le chat. Mais il faut que je remonte le fil et l'aiguille dans le grenier. Pas jusqu'au fil et à l'aiguille au bout du. Alors grosso modo, sinon le jeu se compose aussi de pas mal de... petites activités dans ce genre-là, de cache-cache là. Donc voilà, c'est. Lucifer va ouvrir les
Voilà, le chien. Et forcément, si vous vous faites voir, forcément, si vous vous faites voir par le chat, bah, vous recommencez. Quand vous avez pas fini, bah, vous recommencez indéfiniment. Et là, on a récupéré, je sais plus quoi. Ah oui, une bobine de fil. Épouvantail. Quel épouvantail? Épouvantail, Batman, tout ça. De quoi est-ce que tu me parles? Y'a pas Batman? C'est quoi ton... D'accord. Oui, vu comme ça, effectivement. Oui, vu comme ça, je comprends mieux que vous me racontez. Je sais même plus ce qu'il faut faire. Oh non, sérieux. Ah non, je te jure. Faut pas t'y mettre. Et si, si, Bouton ici, mais... Oh oh, il faut d'abord que je répare les marches avant que quelqu'un se blesse. Je parie qu'il y a un lutin là-haut. Il est temps de mettre la main dessus. Pour atteindre ton but, saute d'une plateforme à l'autre. Mais oui, t'as rien fait, lutin. On va te croire. Et oui, t'as lancé tout ça. Qu'est-ce que tu crois? Donc là, les escaliers, ils ont trop bu, ils bougent tout seuls. Ils ont picolé un grand coup. Alors donc, petite précision, tous les petits coffres là qu'on voit, normalement on peut pas encore les ouvrir. Parce qu'en fait, avant de pouvoir les ouvrir, il faut récupérer les cristaux des princesses. En général, dans les coffres, il y a des vêtements, des robes, des trucs comme ça. Hop là. Vite, Jack t'attend là-haut, dans la chambre de Cendrillon. Il faut laisser entrer les oiseaux. Les oiseaux vont nous aider à faire la robe. Rassure-toi, je vais réparer ça. Utilise ta magie pour retransformer les lutins. Mais oui, grosso modo, je crois que le jeu dure... Niveau durée de vie, je crois qu'il y en a en speedrun. Non, il n'y a pas une demi-heure de durée de vie, il y a un peu plus quand même. Il y a un peu plus. Il peut y avoir un quart d'heure. Sachant qu'on ne peut pas passer cinématique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est le collier? Cendrillon doit avoir son collier. Sachant qu'il y a plus ou moins un quart d'heure par chapitre. Il y a deux chapitres par histoire. Alors je vais il y a quatre histoires de deux chapitres. Il y en a. Tu devrais regarder là-bas. La salle de musique. Il y en a pour une heure ou deux heures en allant. Je reviens le plus vite possible. Ça comme ça. Alors comment je me suis retrouvé en possession de ce jeu? Eh bien, c'est le Père Noël qui l'a amené à la petite pour son Noël de l'année passée. Simplement. Mais oui, Bultom, c'est tout à fait ça. Je ne m'appelle pas Gracchus. Attention, Gus,
ça fait tomber les perles de Cendrillon. Le collier de Cendrillon est dans le piano. Zuck. Eh bien, dans ce cas, Gus, je crois que nous allons devoir jouer un de mes airs préférés. Mais Gracchus, c'est un fan de chez Disney. Je peux pas dire autrement. Pas foutu de. J'ai même pas vu les touches en fait. D'accord. Donc en fait, le jeu entre les phases de. Entre les phases où il faut retransformer les lutins, bah, c'est que des mini-jeux dans ce genre-là en fait. Alors là, on a droit au. Piano, on y a droit à une espèce de bubble là ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a. Ah oui, il y a une espèce de truc de danse aussi, normalement on devrait voir. Maintenant, il faut que je récupère ce collier. Sers-toi de ta baguette pour transformer les lutins en. Non, Bultom, je suis pas sûr non plus que ça soit très simple. Et là, on a récupéré le collier de Cendrillon. Tada! Gus, rapporte ce collier à Cendrillon et je te retrouve dans sa chambre. Puis déjà, faudrait lui trouver une femme à Gracchus. Avant de pouvoir. Hop là. As-tu vu cette robe somptueuse? Est-ce que tu as déjà vu une robe aussi magnifique? Bah oui. Waouh! De toute beauté! Je suis sûre que tu vas passer un merveilleux moment au bal royal. Oh, j'espère bien. Vois-tu, ma marraine la bonne fée m'a fait ce sublime carrosse. Et maintenant, on va devoir retrouver les roues du carrosse. Mais voilà que les roues ont disparu. Comme c'est malheureux, les roues ont disparu. Arriver au bal royal à temps. Attends ici, je vais voir ce que je peux faire. Trouve les roues du carrosse et utilise la spirale magique pour les remettre à la bonne place. Je crois que. Oui, je connais à peu près le jeu par cœur. Il me semble. J'y ai tellement fait de fois avec elle qu'effectivement, je le connais par cœur presque. Bon, on est un peu aidé aussi, il y a des flèches, il y a. C'est un jeu pour casu. C'est ça que je fais. Casu comme Dark Souls. Ah mais le jeu là est aussi c'est aussi beau que Dark Souls. Enfin, faut pas déconner. Ça manque un peu de DS fixe mais bon. Oui ma foi. Ah non, il doit pas y avoir beaucoup de concurrence, effectivement. Ça me rappelle le mec qui avait fait un speedrun d'un jeu à la GDQ. Le jeu était joué par personne. C'est un jeu daubé. Alors forcément, le mec il tenait le record du monde puisque personne n'y jouait à ce jeu. Il faut que je trouve ces lutins. Je sens qu'ils n'ont pas fini de faire des leurs. Je ferais peut-être bien d'aller voir s'ils n'ont pas causé d'autres problèmes en chemin. Non mais Gracchus, il peut pas avoir corps sur ce jeu-là, il passe pas ses journées. Qu'est-ce qui peut bien nous bloquer? Crois-tu pouvoir nous aider?
J'ai l'impression que tu es magicienne, comme ma marraine la bonne fée. Tu es magicienne. Avec plaisir. Oui, c'est normal, je suis l'apprenti de la bonne fée. Utilise ta magie pour retransformer les lutins en elfes. Mais on tacle toujours les absents, Rada. Les absents ont toujours tort, c'est normal. S'ils voulaient pas se faire tacler, ils avaient qu'à être là. Et même s'ils étaient là, ils se seraient fait tacler quand même. Formidable. Et voilà, mode speedrun, on spamme la baguette magique. C'est réparé. Tu devrais pouvoir te rendre au bal sans le moindre souci à présent. J'espère que tu vas y passer un moment inoubliable. Oh, merci beaucoup. Je n'oublierai jamais l'aide précieuse que tu m'as apportée. Non mais Rada, même quand il est là, il se fait tacler. Attends, alors, ça va, tu devrais venir toi aussi. Je suis sûre que ma marraine, la bonne fée, peut te faire une robe. J'aimerais bien, mais je dois d'abord retrouver un étrange cristal. Je te verrai peut-être plus tard. Bien entendu. Au revoir. Félicitations. Ouais. Tu as fini. Contente de te revoir. Tu peux personnaliser donc, ta chambre, là, on a entretenir fini, le jardin magique, acheter des objets ou choisir une autre aventure. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, moi? Je sais même plus. Donc, on n'est pas obligé de se taper les 5 histoires à la suite. On peut très bien me promener en attendant, récolter des petits joyaux. Est-ce qu'on peut voir si on peut acheter des trucs? On peut acheter des robes. Mais oui, on peut acheter des robes. Acheter une robe. Ouais, on va acheter. Ouais, on va acheter celle-là. Hop, on va acheter une petite robe. Tada! Hop. Ah, j'ai presque plus. Ouais, ouais, on va y voir réponse, t'inquiète pas. Mais d'abord, on va rire un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est là. Personnalise ton apparence. Et là, on peut repersonnaliser complètement son apparence. Là, on va se faire. Et on va se faire Mamadou. Qu'est-ce qu'il y a, Bugdom? Une belle robe noire et bleue. Mais non, c'est pas raciste. Ça. Bon, Bluetooth, vous allez voir réponse. C'est bon, on va y voir réponse. C'était un peu surprenant. C'est comme si tu avais surgi de nulle part. Mais je suis ravie de te rencontrer. Je m'appelle Réponse. Moi aussi, je suis ravie de te rencontrer, Réponse. Dis-moi, en passant par la forêt, tu n'aurais pas vu une affiche recherchée par hasard? Tu vois cet homme? Il s'appelle Flynn. Et c'est un peu mon guide. Il m'emmène voir les lumières qui flottent dans le ciel. J'en ai rêvé toute ma vie. Sauf que maintenant, il y a des affiches recherchées avec son visage dessus dans toute la forêt. Et j'ai peur que si on n'enlève pas toutes ces affiches, quelqu'un le reconnaisse et l'arrête. Mais dès que là, mon rêve ne pourra pas se réaliser. Eh bien, je me ferai un plaisir d'arracher ces affiches. Laisse-moi donc faire. Trouve les affiches et utilise la spirale magique pour les arracher. Ah.
Ah oui, tu parlais pour Gracchus. Bah ouais, c'est ça. On va te croire, tiens. Ça a été dit, c'est enregistré dans la vidéo. T'es foutu maintenant. On sait que tu kiffes réponse. La marge. Merci infiniment. Maintenant, je ne m'inquiète plus de voir Flynn arrêté par les gardes du roi. N'est-ce pas, Pascal? Plus c'est gros, mieux c'est, non? Étrange. Je me demande où il est passé. Qui est-ce que tu cherches? Pascal, mon caméléon. Il adore se cacher, mais il revient toujours quand je l'appelle. Oh, j'espère qu'il ne s'est pas perdu, ou qu'il n'est pas retourné à la tour. Et si tu le cherchais par ici pendant que je vais voir s'il n'est pas dans la tour? Tu devrais aller vers la tour de réponse. Non. Tout est d'une telle beauté par ici. Si seulement beau. Ces bosquets n'avaient pas l'air aussi tristes. Ils donnent à ces bois un air lugubre. Je crois qu'il est temps de faire appel à ma spirale magique pour égayer un petit peu toutes ces plantes. Trouve les plantes et utilise la spirale magique pour changer leur apparence. Ces deux actions, hein. C'est la spirale ou tataner avec la baguette. Oui, le doublage du jeu est réussi. Ça paraît détonnant, mais c'est le cas. Les animations de paroles sont pas très très synchro avec les lèvres. Formidable. Mais oui, le doublage. Voilà, c'est beaucoup mieux. Non, le lip-sync est pas parfait. Oh, mais on dirait qu'il y a un problème dans la tour. Je crois qu'on t'attend au pied de la tour de réponse. Qui lance tous ces pots de peinture hors de la tour? Oh, ça doit certainement être les lutins. Il faut que je rattrape ces pots avant qu'ils tombent par terre et qu'ils se cassent. Rattrape seulement les pots de peinture et pose-les sur le tronc. Une des autres activités du jeu, rattraper des machins qui tombent, ma foi. Voilà. Des pots de peinture. Hop là. C'est une assiette là, c'est un poisson pourri ça. Ça pareil. Sachant que c'est quand même. C'est bien fait parce que plus on a de pots de peinture de mémoire, moins vite on va. Petit trick, on peut collecter tous les pots de peinture taper tous d'un coup. Donc, tu devrais aller dans l'entrée. Il y a moyen de. Oh. Je parie que je vais trouver les lutins dans la tour. Et avec un peu de chance, Pascal, l'ami de réponse aussi. Mais qui est Pascal? Monte tout en haut de la tour. Quel talent. Bien, qu'est-ce que tu crois? On est en mode speedrun là, c'est normal. On va plus vite.
utilise nazi. Ta magie pour retransformer les lutins en elfes. Il te faut le cristal jaune de Belle pour ouvrir ce coffre au trésor. Transforme les lutins en elfes pour accomplir ta mission. Sers-toi de la spirale magique pour retirer les toiles de lutin. Bien joué! Maintenant, il faut que je trouve Pascal. Réponse a dit que c'est un caméléon et ça veut dire qu'il peut changer de couleur. Donc, il peut se cacher n'importe où. Tu trouveras Pascal sur la peinture murale. Déplace la loupe sur Pascal. Autre activité, mais sûrement dans le monde de réponses, là. Il faut retrouver le caméléon dans la peinture. C'est pas très très compliqué non plus. N'empêche qu'il va quand même assez vite. La peinture est grande, donc pour un adulte ça va. Pour un gamin ça peut être compliqué. Ah, ça peut être compliqué. Ça peut nécessiter un peu de maîtrise. Maîtrise de la souris. Bien joué. C'est limite presque un jeu éducatif. Bonjour Pascal. Tu sais, Réponse se fait beaucoup de soucis pour toi. Elle te cherche partout dans la forêt. Bon, allons-y. J'ai l'étrange impression qu'il y a d'autres lutins dans la forêt. Lutins, mais je t'avais pas dit que tu viendrais sur le TS après. Le cristal perdu. J'attends toujours. Il est temps de quitter la tour. Redescends les escaliers et sors. Et là, pour redescendre la tour, on y va en mode YOLO. C'est vraiment une feignasse de première. Ça va aller, Pascal. Il suffit que je transforme ces lutins en elfes pour retirer leurs barrières. Ensuite, nous irons retrouver Réponse. Utilise ta magie pour retransformer les lutins en elfes. Ouais, à mon avis, ça doit être ça, Adrien. Il a pas. Il doit bouder parce que c'est son jeu. Pas son jeu. Tu as réussi! Attends-moi, Pascal! Tu devrais aller chercher Réponse. Elle est à la crique du pont cassé. Dans la forêt. Il y a eu égalité, je vous signale, pour Dark Souls et 19 Assassin, donc j'ai dit que je ferais les deux. Et bonsoir, gros Matt. Je suis bien contente de te revoir. Pascal et moi, nous allions retrouver Flynn. Mais nous sommes arrivés devant ce pont cassé. Et je ne sais plus par où il faut aller. Laisse-moi aller voir s'il y a un autre chemin. Pourquoi tu ne m'attends pas ici au cas où Flynn reviendrait? Je suis sûre que ce sont les lutins qui ont pris les morceaux du pont. Je vais devoir faire appel à la magie pour les remettre en place. Les 20 premières minutes, 25 premières minutes, c'était du bon. Pourchasse les lutins et sers-toi de la magie pour les transformer en elfes. Puis, sers-toi de la spirale magique pour remettre à leur place les objets que les lutins ont fait tomber. Donc là, bah, il faut retrouver les pièces du pont. Et après les pièces du pont, il va falloir les réassembler.
topic PC, Bultam. Il y a eu Modo et tout, il y a eu topic qui a été évoqué. Bon oui, je suis dernier Bultam, là-bas. Et là, je suis en train de me faire troller par le jeu. Je sais pas où est le dernier lutin. Bien joué. Merci d'avoir retrouvé tous les morceaux du pont. Oui, Zad, ça c'est clair, c'est jouissif. J'avoue que de ma vie, je n'ai jamais remis un pont en état. Voyons si je peux remettre tout ça en place. Sers-toi du curseur pour sélectionner une pièce du puzzle. Clique sur la souris pour la saisir et la placer. Il faut refaire le dessin du puzzle. Canard. Et bonne soirée, bien woman. Joué. Tu as réussi. Oh, merci de nous avoir aidés. Maintenant, je peux aller retrouver Flynn avec Pascal et il nous emmènera voir les lumières. Bonne chance, réponse. Je suis sûre que les lumières seront aussi belles que celles que tu as imaginées. Félicitations. Tu as fini ce chapitre. Tu peux rentrer au royaume des fées. Contente de te revoir. Tu peux personnaliser ta chambre, entretenir le jardin magique, acheter des objets ou choisir une autre aventure. De qui voulez-vous voir la superbe modélisation? Et la petite chérie. Salut, je m'appelle Polochon. Tu n'aurais pas vu mon ami Ariel par hasard? Ariel? Non, je ne crois pas, non. Oh, je vais encore m'attirer de terribles ennuis. Tu vois, j'étais censée la surveiller, mais elle voulait partir en exploration, à la recherche d'objets humains et de trésors engloutis. Et ensuite, elle est entrée dans son navire géant et j'ai essayé de la suivre, mais j'ai pas pu. Rassure-toi, Polochon, je sais exactement ce qu'il faut faire. Pour nager vers le haut, maintiens la barre d'espace enfoncée. Pour replonger, relâche-la. Tu as réussi! Utilise ta magie pour retransformer les lutins en elfes. Non mais Gracchus qui joue à Nuclear Throne, sérieux. Bien Attends, joué. Faut que j'aille l'insulter. Merci. Oh, il fait tout noir ici.
on devrait peut-être entrer et chercher Ariel. Non? Tu sais, si tu veux, je peux essayer de trouver Ariel. Je dis ça au cas où tu aurais autre chose à faire. Waouh! Ce serait génial! Parce que je dois retourner à la grotte au trésor et faire de la place pour tous les nouveaux objets qu'Ariel a trouvés. Oui, c'est ça! Ariel est dans l'épave. Tu devrais peut-être aller la voir. Oh! Bonjour! Bonjour! Tu dois être Ariel. Je viens de voir Polochon dehors et il m'a dit que tu étais là. Oh, je suis ravie de faire ta connaissance. Veux-tu chercher des objets humains avec moi? Elle est un petit peu flashy quand même, Ariel. Ton aide pourrait m'être précieuse. À chaque fois que je trouve une tourninouflette ou un tire-baba, il se sauve par la fenêtre en flottant. C'est curieux, non? En effet, c'est très curieux. Et si j'essayais de comprendre où sont passés tous ces objets pendant que tu continues à en chercher? Ce plan m'a l'air parfait. À tout à l'heure. Utilise le curseur pour viser chaque lutin. Une fois que le curseur se transforme en étoile, clique sur la souris pour te servir de ta magie. Pas de sous-entendu, Hulton. Là, bah pareil, une autre activité, un espèce de petit jeu de tir. Assez facile pour un adulte, forcément. Il faut choper les lutins au passage, mais même en attendant, il reste bien... bien longtemps au même endroit. Donc... Formidable. C'est faisable. Tu as réussi! Oh, merci! Je vais rapporter tous ces objets à la surface et les montrer à mon amie Eureka. Est-ce que tu veux m'accompagner? D'accord, je ne nage pas très vite, mais j'essaie de te suivre. Eh bien, mais si bon, ça y a peut pas t'aider, de... il y a un raccourci pour aller jusqu'à la grotte au trésor. Il n'y a pas de... c'est un peu chaud, le récupérer pour un gosse, mais il n'y a pas de... Je crois que c'est une bonne idée. Je te retrouve à la surface. Polochon a besoin de ton aide. Il est dans la grotte au trésor. Si le gosse veut y passer 2 heures à essayer de choper les lutins à la souris, le gosse peut y passer 2 heures. C'est pas le problème. Voilà. Ouf. Tu vois ces grosses bulles? Elles bloquent le passage jusqu'à la surface. J'avais l'intention de m'en charger, mais... je vais peut-être te laisser faire, puisque tu vas dans cette direction. Assorti 3 bulles ou plus. Déplace les flèches droite et gauche pour viser. Appuie sur la barre d'espace pour tirer. Je regarderai... Premier round. Et donc là, on a une espèce de bubble. Assez facile aussi, bon, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... il n'y a pas de game over. Deuxième round. Une grosse aide à la visée. Tu peux pas jouer à ça, tout le monde peut jouer à ça. Pas de honte à avoir. Troisième round. Le tout c'est d'assumer. T'es vraiment daltonien ou c'est une blague? Formidable. Génial. Maintenant, tu peux remonter à la surface. T'as toutes les tares du monde, en fait, toi. En train de parler avec Eureka. C'est un véritable expert en objets humains. Eureka voudrait te parler. Il est sur son rocher. Tu peux y arriver en passant par la grotte au trésor.
Bonjour. Le mec qui creuse le trou de la sécurité sociale à lui tout seul. C'est un plaisir de te rencontrer. Il y a un trou, ça, fossé. Je m'appelle Eureka. Oh, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une nouvelle sirène. Je pense donc qu'il faut fêter cela. Voyons, où ai-je pu mettre cette bijette bulbeuse à soufflette? Elle était pourtant là. Eureka, pourquoi tu ne montres pas à mon ami tous les objets humains fantastiques que tu as trouvés? Bonne idée, tu es vive d'esprit. J'aime ça. Bien, mais nous aussi, elle doit on sûrement être. Oh, mais elle était là il y a à peine une seconde. Oh, je suis désolé, ma chérie, mais tous ces objets humains n'arrêtent pas de disparaître. Oh, encore un coup des escargots de mer. Allez, bonne soirée, Adrien. Dès qu'ils voient un objet qui brille, il faut qu'ils y touchent. Dans le respect, à vrai toujours. Dire, je crois que je sais ce qui s'est passé. Laisse-moi regarder dans les parages et je reviens tout de suite. Utilise le curseur pour viser chaque lutin. Une fois que le curseur se transforme en étoile, clique sur la souris pour te servir de ta magie. Mais non, mais Gracchus, il veut pas venir. Il préfère jouer à un Nuclear Throne. Formidable. Oh, ça alors, tu as tout retrouvé. Je vais tout de suite ajouter ça à ma collection. Veux-tu venir avec moi? J'aimerais bien, mais je dois retrouver le cristal que j'ai perdu. Je comprends. Oh, si tu retournes à Atlantica, pourrais-tu passer par la salle du trône de mon père? Sébastien s'y trouve certainement et je veux être certaine qu'il sait que je vais bien. Oh, il se fait un sang d'encre pour rien. Bien sûr. Au revoir, Ariel. À bientôt, Eureka. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Repasse quand tu veux. S'il te plaît, va voir Sébastien dans la salle du trône du roi Triton. On sait que ça sera fini. C'est une catastrophe! Quelle catastrophe! Ma carrière est brisée! Je vais être la risée de tout le royaume à cause d'Ariel! Je te le dis, ce concert devait être le plus beau que j'ai jamais dirigé! Mais Ariel a-t-elle pris la peine de venir? Non! Son père, le roi, va me faire passer à la moulinette! Enfin, s'il ne me fait pas d'abord passer aux petits oignons quand il verra toutes ces horribles toiles... On va bouffer du crabe. Toi, petite fille, est-ce que tu as vu l'ouragan qui a dévasté cette salle? J'ai bien peur que non. Mais je peux t'aider à tout ranger? Ce serait formidable! Il faut que je trouve un moyen pour expliquer au roi pourquoi sa fille préférée n'est pas venue chanter au concert. Rassure-toi, tu n'as qu'à aller parler au roi et je vais commencer à ranger. Utilise ta magie pour retransformer les lutins en elfes. Sers-toi de la spirale magique pour retirer les toiles de lutin. Bon, moi je vais finir à rien et puis on arrêtera là parce que... Tu as réussi! Finir Ariel, je vous montrerai ce que ça donne une fois que le jeu est... Tout est rentré dans l'ordre. Ce qui reste à faire, ce qui ne reste pas à faire. Mais, dis-moi, puis on aura as-tu vu Ariel par hasard? Oh oui, je l'ai vue tout à l'heure. Elle explorait les fonds marins. Est-ce que tu veux que j'aille la chercher? Absolument. Et quand tu l'auras trouvée, dis-lui de revenir ici dans la seconde. Oui, bon, j'espère ça peut prêter à l'interprétation, effectivement. Ces humains ne font que nous attirer des ennuis. C'est d'accord, je vais la chercher. J'ai été ravie de faire ta connaissance, Sébastien. Et si tu allais voir Polochon? Il est dans les cavernes, près de la salle du trône et de la salle de concert. Tout va bien, Polochon? Où est Ariel? Elle est encore remontée à la surface pour voir ce navire humain géant. Mais ça fait un long moment qu'elle est partie. Et je pense qu'une tempête se prépare. Je suis sûre qu'elle va vite revenir.
On devrait peut-être ramasser des objets pendant qu'on l'attend. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de poissons lunes et de murènes par ici. Et nous, nous ne nous entendons pas très bien. Pas très bien. Oui, c'est d'accord. Tu n'as qu'à aller récupérer les objets et je les rapporterai à la grotte au trésor. Pas de problème. Reste ici et je reviens dans une minute. Récupère chaque trésor et rapporte-les à Polochon. Attention aux poissons lunes et aux murènes. Pareil, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de... Voilà, tout simplement, on commence. On rapporte un peu aux gens. Et on y retourne. Je me fais troller. Là, il y a des murènes et des poissons ballons, c'est violent, on dirait pas. Tu as réussi. Tu es vraiment très doué. J'imagine que tu ne peux pas m'aider avec ces coquillages géants. Tu vois, Sébastien m'a dit de les ouvrir pour qu'il puisse récupérer des perles pour le roi Triton. Mais ils ne font que m'ignorer. C'est d'accord, Polochon. Trouve les huîtres et utilise la spirale magique pour les ouvrir. J'ai pas envie de finir. Hop. Contente de te revoir. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Encore une fois que le jeu est terminé, il y a ça comme ça. Hop. Contente de te revoir, tu peux personnaliser ta chambre, entretenir le jardin magique, acheter des objets ou choisir une autre aventure. Donc une fois que le jeu est terminé, qu'on a... Oui. Marmille sont à fond. Petit truc. Alors, une fois qu'on a fini le jeu, et on n'a pas fini le jeu, qu'on a récupéré tous les cristaux, et ben malheureusement, il y a pas grand chose à faire. À part retourner dans chaque monde pour ouvrir tous les coffres, si on a tous les cristaux, récupérer toutes les tenues. Acheter toutes les tenues. Et sinon, une fois qu'on en est là, c'est fini. Tout simplement, il n'y a pas de rejouabilité. Parce que voilà, par exemple, là, c'est le deuxième chapitre de la partie de Cendrillon. Et le chapitre est fini. Les NPC, il reste là planté. Il y a plus d'interaction, c'est un peu... voilà. Il n'y a plus personne qui part, il se passe plus rien. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Je sais pas si ça a été changé dans les suivants qui ont été faits. Mais voilà, c'est dommage. Parce que quand le gamin a fini, il n'y a plus rien à faire. Et c'est pareil dans... Contente de te revoir. Dans tous tu les peux personnaliser mondes. Ta chambre. Oh, le plus gros troll du magique, jeu quand même. Acheter des objets. Donc, ou choisir une autre aventure. Donc, une fois que les quatre...
Une fois que les 4 premières princesses sont... Enfin, une fois que les cristaux des 4 premières princesses sont retrouvés... On a accès au cinquième monde, qui est le monde de la princesse et la grenouille. On se dit, waouh, génial. Génial, ils ont modélisé la Nouvelle-Orléans, tout ça, et ben même pas. Parce qu'il n'y a qu'un chapitre, et il n'y a qu'une pièce. C'est le bal. C'est le restaurant qu'il y a de Tiana, tout simplement. Bon. Alors, ça sent un peu le... Ça sent le pâté, quoi. C'est un peu... C'est contente un peu de te revoir. Tu peux personnaliser ta chambre, entretenir le jardin magique, donc voilà, acheter des objets ou choisir une autre aventure. Sinon, ben, comme j'ai... Comme j'ai dit, le jeu, grosso modo, se constitue principalement en deux phases de recherche d'éléments comme des cristaux, des métis comme ça. Entre les phases de recherche, il y a des mini-jeux auxquels on peut rejouer à loisir. Donc voilà. Je ne peux pas les faire, j'ai pas envie, c'est clair et net. Donc voilà. Ma foi, c'est bien, c'est un jeu qui peut occuper un gamin pendant deux bonnes heures, voire plus, s'il prend le temps d'aller rechercher tous les coffres et d'acheter toutes les tenues, tous les machins. Il y en a pour un certain temps, et après il n'y a plus... Voilà, après, à part refaire une nouvelle partie, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, quoi. C'est un peu dommage. Ils auraient un petit peu pu bosser là-dessus. Donc voilà. On va arrêter. Hop. Je vais en profiter tant qu'à faire pour exposer le trailer de mon prochain stream pour une durée qui se fera je ne sais pas quand. J'en ai foutrement aucune idée. Ce sera pas Dark Souls. J'ai dit que je le ferais, mais pas maintenant. Non, pas tout de suite. Il faut d'abord que je mette le trailer de mon prochain stream. Ah, tu y vas. De toute façon, il n'y en a pas pour longtemps. Donc. Le temps de... faire ça. Bah, bonne soirée Rada, puisque tu y vas. Hop. Et donc le son c'est mieux. Du shopping en Allemagne. Non mais ça donne envie, il faut arrêter. Ouais, ça peut pas être pire que taxi, pas déconner. Regardez-moi cette action, y'a même pas le personnage dans le chariot élévateur. Non, j'ai pour moi. J'assume. Regardez-moi ça, c'est un chariot fantôme. Il n'y a même pas de personnage dedans.
l'heure dure quand même 3 minutes 40. Ils ont réussi à faire fort. Oui, Bultom. Oui, tu peux vérifier dans ma liste de jeux Steam. Et tu te souviens pas qu'il y a eu un bundle avec tout un tas de jeux de ce genre-là ? Il n'y a pas si longtemps. De mon plein gré. J'y ai vu le potentiel pour streamer. Bon, quand même, ils vont nous spoiler tout. Ils nous sont en train de spoiler tout le jeu là quand même. En 3 minutes de trailer. Ça va être épique, je pense. Je pense qu'on va rigoler. Y'a pas un trailer du DLC? C'est bien marrant aussi celui-là. Ah ben si. Alors il faut savoir que pour ce jeu, il y a un DLC. Oui, c'est pas une blague, il y a un DLC pour ce jeu. Et le DLC pour ce jeu, rajoute des zombies. Simplement. Donc petit trailer aussi, histoire de rire un coup. Hop. Ah non, il n'y a pas de trigger. Il n'y a pas de trigger, donc le DLC, ça rajoute des gros zombies pas beaux. Donc voilà, le jeu est déjà pas beau à la base, mais ça rajoutera. Bon, voilà. Bah écoutez, merci d'être venu. À ceux qui sont venus, il n'y a plus grand monde, il reste 2 personnes. Ma foi. Bonne soirée. Merci à tous. Et voilà. À plus.